télé et Internet? Bah, sur la télé, il y a des émissions de notre âge. Et sur Internet, je peux... je fais des jeux vidéo. Alors moi, radio, parce que c'est une longue tradition familiale. Et je suis toujours réveillé en radio et je débute mes journées en radio. Et quand j'étais étudiant, je m'endormais en radio. Je lis plein de magazines. Il y a Manon, Le Petit Quotidien. 21 ? C'est obligé, on est obligé de dire 21. Non, mais je me réveille avec France Inter, donc il y a toutes les émissions de France Inter, les revues de presse, France Culture aussi, c'est vrai, il y a les émissions de France Culture le matin. Ouais, mais ça fait un peu pompeux de dire je me réveille avec France Culture, ça fait un peu bon. Je me la pète, quoi. Pas tout le temps. Parce que parfois, il y a des choses que je vois, qui sont difficiles à croire. Moi, je fais beaucoup confiance aux émissions, aux infos de la radio, oui. Parce que je trouve qu'ils ont, en tous les cas, l'honnêteté de dire s'ils sont trompés, donc voilà. Moi, ça m'intéresse pas vraiment l'objectivité dans ces cas-là. Je préfère les points de vue subjectifs. Toujours l'objectivité, c'est forcément... Il y a forcément un angle, et l'angle est subjectif, et voilà. Faut lire les magazines, hein. Tout le monde informe un petit peu. Moi la radio. Après je complète avec d'autres sources, internet, souvent internet. Et je dois avoir l'application du Monde par défaut sur mon application, sur mon téléphone. Donc j'y consulte aussi beaucoup Rugbyrama, ce sera un peu plus. Je crois qu'internet c'est une bonne fusion de beaucoup de choses, donc oui. Ah.